quel tireur insondable tente d'échapper cette jeune fille, vous le saurez en découvrant avec Marcus dans Level 1 Castlevania The Legacy of Darkness. Salut, c'est Marcus, on va arrêter avec cette voix-là, ça m'énerve. Aujourd'hui, regardez, on va faire Castlevania Legacy of Darkness, c'est-à-dire la suite de Castlevania. C'est peut-être pas indispensable, on se dit, mais en même temps, il y a quand même pas beaucoup de jeux sur Nintendo 64, alors pourquoi pas. Et puis Castlevania, c'était sympa, c'est vieux jeu de plateforme. Regardez, pendant que je vous parle, je mets sur Easy, personne ne voit rien et tout, je sais pas. Je choisis ce personnage, Cornel, les autres, on n'y aura accès que plus tard. Donc je disais, le premier Castlevania était un jeu d'aventure, que dis-je? Le Necronomicon, le super livre des morts. Bon, faut que j'arrête de me disperser, je vais me concentrer un tout petit peu. Donc le premier Castlevania, il y a toute une série de Castlevania, ça remonte tout ça très très loin aux premières consoles en fait. Depuis la Nintendo 64, on a découvert des Castlevania en 3D, donc c'était super. On pouvait chasser le vampire à coups de fouet et tout ça en 3D. Et là, bah, c'est toujours de la 3D, mais vous allez voir que ça reste quand même un vrai jeu de plateforme avec des vraies épreuves de jeu de plateforme. Des trucs genre Prince of Persia, voilà, avec des herses qui tombent, des pics qui surgissent du sol, etc. Le début, vous allez voir qu'il y a pas trop, il y a un peu de plateforme, un peu de baston, et c'est ça qui est bien, c'est que ça mélange les deux. Il y a des monstres un peu partout, on se bat, on escalade des trucs, et ça commence sur un bateau mystérieux. Que va-t-il se passer? Suspense, vous allez voir, regardez, c'est lui le héros. Il s'appelle Cornel, je crois. Je me souviens plus du nom du précédent, c'était plus rigolo, c'était Reinhardt. Ils appelaient Reinhardt le héros précédent. Il avait un fouet, j'aimais bien, là, pas de fouet. Mais par contre, il a un avantage, ce gars, c'est qu'il peut se transformer... Il peut se transformer en loup-garou. On verra ça tout à l'heure. Il faut que je récupère des diamants pour avoir le droit de me transformer en loup-garou. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par éclater ces petits tonneaux et récupérer ces diamants rouges, histoire d'augmenter un peu ma puissance. Ah, il y a un monstre, alors tout de suite, je passe en mode battle, de façon à lui faire face. Et vous voyez, quel que soit l'endroit où je vais bouger, il va garder mon monstre comme cible. Qui sera bien plus pratique. Ah, un petit bouclier, très bien. Comme ça, je récupère un peu de points de vie. Et le fait d'avoir tué le monstre, regardez, ça dégage un petit passage secret avec une espèce de plateforme qui va me permettre de monter sur l'entrepont du navire. Je connais pas les termes techniques. Pierre, qui est un marin, on dit l'entrepont. Je me souviens, quand j'étais petit à l'école, on avait vu un super documentaire sur un porte-avions avec, et c'est pas une connerie en plus, le commandant qui était interviewé par un journaliste débile, et le journaliste disait « Alors, commandant, comment s'appelle l'avant du bateau ?» Et le type répondait « C'est l'avant du bateau !» Après, il demandait « Et comment s'appelle l'arrière du bateau ?» Et le type disait « C'est l'arrière du bateau !» Ça nous faisait beaucoup rire. Donc voilà, avec tout ça, j'ai toujours pas appris les termes techniques dans la marine et tout. Voilà, vous avez vu sur les mâts, il y a cette espèce de levier qui permet de retourner le mât. Ouais, oui, ça bouge au-dessus de ma tête. Tiens, d'ailleurs, je peux vous le faire voir, puisqu'on peut passer en vue subjective pour admirer les décors, admirer la lune, c'est super beau. Je trouve assez joli ce jeu. Il faut dire qu'il utilise le petit pack d'extension graphique, c'est-à-dire qu'il améliore les graphismes grâce à un espèce de petit bloc qu'on rajoute dans la super Nintendo. Dans la Nintendo 64, faut que j'arrête de penser qu'on est dans les années 80, ça suffit maintenant. Bon, on va récupérer ce diamant, se mettre face au mât. Ça, c'est pas facile à faire, je vous le dis. Voilà, clac. Parce que c'est pas toujours évident de bien viser avec ce genre de jeu. Voilà, et puis on va sauter en face et se raccrocher in extremis. Parce que je fais semblant d'être mauvais pour faire peur à Pierre qui est derrière et qui frémit à chaque fois que je saute dans le vide et que je fais mine de m'écraser comme une merde. Comme là, par exemple. Ah là ! Sauf que là, c'est pas exprès. Bon, faut que j'arrête avec Pierre, on dirait Pascal Sevran et Tintin. Hein, mon Pierre ? Bon, allez, je recommence. Bon. Je vais me concentrer un tout petit peu. Bon, en tout cas, il est sympa ce jeu. Moi, j'aime bien, vraiment. Assez rigolo. C'est vrai que c'est du jeu de plateforme. Et vous voyez, c'est assez jouable puisque là, j'ai sauté comme une merde, je crois qu'on peut le dire. Et quand même, il s'est rattrapé, il s'est bien mis. Donc, bah voilà, c'est plutôt réussi. Ça laisse, ça permet d'être très jouable. Oh non, mais quel boulet! Je recommence. Allez, bon, concentré, Marcus, tu ne parles plus. Je te contente de sauter brillamment de caisse en caisse. Voilà, récupérer la clé qui nous permettra de trouver l'entresol. Voilà. Alors, allez, soyons un tout petit peu concentrés et un tout petit peu plus prudents et ça ira beaucoup mieux tout de suite. Ah, voilà, remonte. Alors, le problème, c'est qu'il y a des monstres, vous voyez, qui me poursuivent et qui essayent de me faire tomber des plateformes. Donc, il faut vraiment jouer la prudence et essayer de faire tout ce qu'on peut pour pas tomber du truc. La caméra aide pas trop, si vous avez vu qu'elle met du temps à se recadrer. Alors, avec un bouton, je peux la recadrer quand je veux derrière le personnage. Oui, je vais faire pivoter le mât. Mais c'est quand même pas très pratique. Je trouve que malgré les différentes vues qui vous sont proposées, voilà, malgré les différentes vues qui vous sont proposées, on a souvent du mal à s'y retrouver. Où est-ce que c'est? Ah oui, il faut que je monte. Allez, grimpe.
cours forest, saute Willy, etc. J'aurais peut-être dû grimper plutôt de l'autre côté, parce que là, ça va pas être facile. Il vaut mieux me mettre comme ça, ici, puis il saute le truc. Vous avez vu, il saute, ça, je trouve que c'est vachement bien. Même si vous n'êtes pas très bien orienté, il saute quand même. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Bonjour, bienvenue dans Level 1. Alors, je rappelle le principe de Level 1 à ceux qui ne connaîtraient pas. Vous avez un gars mauvais, donc c'est moi, qui joue pendant 10 minutes en essayant de faire ce qu'il peut pour aller le plus loin possible dans le jeu. Aujourd'hui, ça démarre très mal, parce que je viens de me vautrer. Je suis carrément retombé sur l'entrepont. Donc, est-ce qu'on va avoir le temps? Bon, ça fait que 5 minutes que je joue, donc on va quand même recommencer. Voilà, ah là, dis donc, je ne vais pas faillir à ma réputation aujourd'hui, je suis vraiment super mauvais. Allez, on va sauter de l'autre côté. Voilà, donc l'idée de Level 1, ouais, parce qu'il y a peut-être des nouveaux qui nous reçoivent, puisque je sais que maintenant on est sur TPS, sur la Lyonnaise Cap, donc bienvenue à tous les nouveaux qui ne connaissaient pas Game 1, voilà, c'est ça Game 1. Je sais que sur nos chaînes à nous qu'on peut faire des choses comme ça pour le moment. Oh non. Je fais pitié des fois, je fais pitié. Qu'est-ce que je fais? Je retourne, bon allez, j'y retourne. Bon, peut-être me concentrer un peu. Oh la vache, alors si vous êtes sur TPS et que c'est la première fois que vous me regardez, c'est la honte, c'est absolument horrible. Vous allez plus jamais revenir, c'est sûr, et vous aurez raison. Mais il y a des fois où j'y arrive quand même. Non, restez, ne partez pas. Oh, puis le monstre qui me tire dessus. En plus, il y a plein de choses à faire, il y a un monstre de fin de niveau, il y a plein de trucs à voir. Évidemment, en répétition, ça marchait. C'est comme quand vous amenez votre magnétoscope à réparer chez Darty. La panne marche, il y a une panne. Oh non, oh non, oh non. Bon, bah, je démissionne, c'est pas possible. Bon, j'essaye encore, mais allez, encore et encore. On aura vu que le premier niveau, vraiment, on n'a rien vu du tout, oui, je suis même pas. Bon, allez, concentré. Qu'est-ce que je peux trouver comme excuse? Il fait super chaud dans le studio. Ça se voit parce que je dégouline en plus. Donc voilà, c'est absolument l'enfer. C'est pour ça. Vous, je n'ai pas raconté ma vie, vous êtes quand même là pour voir Castlevania à la base, hein, normalement. Donc, allez. Je vais me taire un petit peu, voilà, on va faire comme ça, je vais me taire un petit peu. Je vais essayer d'avancer le plus possible dans le jeu. En plus, c'est rien, ça prend 3 minutes à faire ça normalement. Hein. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Bon, alors c'est où? Évidemment, c'est pas de ce côté-là, c'est de l'autre côté. Oh là là là, le boulet. Est-ce qu'il m'aurait remis le mât dans le mauvais sens? Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah si, c'est là, ça y est. J'ai trouvé. Alors soyons très prudents, ne tombons pas. Voilà, c'est là-dedans. Alors, on va y arriver. Regardez, il y a une clé. Oui, formidable. Donc maintenant, je peux retourner à l'entrepont et récupérer. On va pouvoir ouvrir une porte qui n'était pas ouverte tout à l'heure. J'ai besoin de la clé, évidemment, pour l'ouvrir. Et c'est de l'autre côté. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la totale, les gars. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Level 1 s'est tourné dans les conditions du direct. C'est-à-dire qu'on ne coupe pas, voilà, pour les petits nouveaux, je voulais vous expliquer. On ne coupe pas, il n'y a pas de montage et tout, vous voyez, il y a ma tête tout le temps, ma voix tout le temps. Je prends le jeu et je joue devant vous pendant 10 minutes, le mieux possible, mais alors parfois c'est quand même assez dur, il faut bien le reconnaître. Voilà. Donc c'est ça le principe de Level 1 en fait, c'est plutôt que vous faire découvrir un jeu en vous montrant que des extraits, les meilleurs moments, eh ben, on vous fait voir comment ça se passe vraiment. Donc par exemple, si c'est pas jouable, eh ben, ça se voit tout de suite. Si ça ne convient pas à un joueur peu bon et nul genre moi, ça se voit tout de suite. Non, je rigole parce qu'en plus j'aime beaucoup ce jeu, j'ai joué à la maison, j'ai trouvé ça très bien et ça se passait bien, ça allait super loin et voilà, donc il n'y a pas de raison, simplement là il y a les caméras, tout ça, puis je suis intimidé de savoir que je suis sur TPS et la Lyonnaise, câble et tout ça, et de découvrir plein de nouveaux amis, donc ça doit être sûrement pour ça. Allez, on va ouvrir la porte et on va aller spritter avec 2-3 autres monstres. On est sur un bateau, vous allez voir qu'il va commencer à couler assez vite. Peut-être passer de Action View à Battle View, on y verra un peu plus clair. Et puis je vais commencer à être prudent parce que c'est pas le tout de se faire flinguer, mais j'ai quand même essayé de survivre le plus longtemps possible. Allez, récupérons un truc. Ah, je vous ai pas fait voir, regardez, je le transforme en loup-garou. Ça lui fera pas de mal. Ah non, reviens là, mon petit bonhomme. Normalement, j'ai assez de diamants pour me transformer en loup-garou. Pourquoi il veut pas? Ah, voilà, il veut. Voilà, donc là, je suis transformé, donc je suis plus costaud. Donc évidemment, je vais être plus efficace contre tous les monstres contre lesquels je peux lutter. Ah, ça n'a pas duré très longtemps ma transformation, ça dure jamais très longtemps, ça dépend du nombre de diamants que vous avez récolté. En fait, là, il a un peu triché, il a interrompu ma transformation pour nous présenter cette scène cinématique. Vous allez voir qu'il y a un monstre qui va casser la coque et qui va faire couler le bateau. Voilà. Attends, je m'aperçois que je suis ridicule, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, alors, qu'est-ce que je disais? Voilà, il me l'a retransformé en monstre normal. Normalement, ça dure plus longtemps C'est pas clair non plus. Hein. C'est pas ma journée, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas moi. Bon, donc voilà un monstre, on va pas pouvoir le combattre parce qu'il est vraiment, vraiment énorme. Et là, on ne voit que les pinces. Enfin, j'espère que c'est les pinces. C'était vraiment un truc énorme. En tout cas, il est en train de nous faire couler le bateau, ce qui est assez terrible. Donc voilà, vous voyez, ça se remplit. Je peux pas nager, alors je vais juste essayer de courir et de me mettre à l'abri.
pour pas mouiller mon petit costume. Donc là, c'est une séquence, on va dire, plutôt jeu de plateforme. Et vous avez vu que c'est pas là-dedans que je suis le plus doué. Donc vraiment, c'est du jeu de plateforme pur et dur. C'est-à-dire qu'il faut sauter et essayer d'atteindre le côté. Là, par exemple, faut pas que je me fasse toucher par cette espèce de lampe qui s'agite au-dessus de ma tête. Sinon, je risquerais d'être cramé. Par où on sort, je sais même plus. Là, en tout cas, je sais qu'il y a un petit tonneau. Donc, on va le récupérer. Il y a peut-être des bonnes choses à prendre. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais il est quand même assez mal en point, mon petit bonhomme, pour le moment. Sa vie est carrément dans le rouge. Donc, il serait temps que je trouve une sortie. Et ça a l'air d'être juste en face, ça tombe super bien. Voilà, sauf que j'ai raté mon saut, mais c'est pas vrai! C'est pas vrai! Donc, pour les nouveaux, ça fait plus d'un an que je suis sur Game One et personne n'a encore pensé à me virer, vu que je trouve assez miraculeux. Je comprends pas comment c'est possible, mais voilà, ce sont des choses qui arrivent. On va pas s'en occuper du monstre, on va se contenter de monter là-haut et de refranchir le truc pour sortir de là. Ce qu'il y a, c'est que c'est très très sensible quand la manette est analogique. En fait, il faut vraiment être très prudent et très doux dans ses mouvements. Et comme moi, je suis pas super concentré dans ce que je fais parce que je vous parle en même temps, évidemment, c'est pas facile. Ah, il est toujours en battle view, c'est pour ça qu'il veut pas m'orienter. Oh non, c'est pas possible! Ah, c'est terrible. Aujourd'hui, c'est terrible. Je crois que j'aurais absolument jamais été aussi mauvais. Pourtant, il y a des fois où j'ai vraiment été mauvais. Mais là, je bats des records. Allez hop, concentration. En fait, voilà, c'est parce que je veux le faire courir. Alors, chaque fois, il tombe du truc. Ah non! J'aurais tellement aimé le finir ce niveau en même temps. Ça m'a fait tellement plaisir. Ça se trouve, je vais mourir et en plus, je vais être obligé de recommencer au tout début. Et voilà, un coup dans le dos. Non, bon, peut-être pas. Et voilà, je suis mort. On va s'arrêter là. Game over. Alors, game over, ça veut dire gars mauvais. Donc, c'est ce que vous aurez vu aujourd'hui. Je vais continuer quand même, début de cette phase. Voilà, je suis obligé, en plus, comme je n'avais pas sauvé, je suis obligé de tout recommencer à zéro. Bon, voilà, allez, c'est l'heure, je vais m'arrêter là. En tout cas, c'est le pire level 1 que vous aurez jamais vu. Donc, je m'excuse auprès des nouveaux qui nous rejoindraient sur TPS, etc. D'habitude, c'est beaucoup mieux, vraiment. Donc, si vous voulez le voir, on se retrouve dans un prochain level 1. C'est à peu près 3 fois par semaine, donc vous aurez le temps d'user. Allez, soyez sages et puis à bientôt pour un prochain level 1. Meilleur, c'est promis, je ferai mieux la prochaine fois. Ciao.